Toute gloire va à Dieu. Amen. Dieu dit dans sa parole, je ne donnerai point ma gloire à un homme. Alléluia. Il fait bon d'être ici encore aujourd'hui, gloire à Dieu. Et le message d'aujourd'hui, c'est la fidélité du Dieu Tout-Puissant. Si donner un exemple pas trop drôle, là. Mais si vous ne croyez pas à la fidélité de votre mari ou de votre épouse, vous avez de sérieux problèmes. Mais si on croit à leur fidélité, amen, c'est la même chose pour Dieu. Dieu ne peut pas mentir, frère et sœur. Il ne peut pas mentir. Dieu est fidèle. Et Dieu l'a prouvé. Je crois sincèrement que depuis même pas une année, Dieu est en train de donner la révélation à son peuple de la parole de Dieu. Que lorsqu'on dit que j'avance, ce n'est pas juste des paroles en l'air, mais c'est des paroles qui entrent ici. Dieu est en train de nous donner la révélation. Lorsqu'on dit souvent, celui qui est en moi est plus fort que celui dans ce monde. Et lorsqu'on traverse la rue, il y a certaines situations, il faut le croire. Amen. Et je crois sincèrement, depuis quelque temps, Dieu met à cœur à beaucoup de pasteurs, dont moi-même, la révélation, frères et sœurs, la révélation de la présence de Dieu dans notre vie, la présence de Dieu qui est tangible dans notre vie, pas juste des frissons, une présence. Dieu veut se faire manifester dans ces temps-ci plus que jamais, mes frères et sœurs. Il a besoin d'un peuple qui va croire en lui. Un peuple qui croit que c'est un Dieu fidèle. Un Dieu qui pardonne si son repent. Faut-tu entendre? Amen. Un Dieu qui veut faire connaître le sang de son fils Jésus. Alléluia. Depuis quelque temps, à Saint-Hyacinthe, on enseigne sur la fidélité de Dieu. La sanctification, la présence de Dieu. Oh, le sang de Jésus, frères et sœurs. Ici, je sais, c'est la même chose. Dieu a un plan pour chaque personne, frères et sœurs. Alléluia. Dieu revient bientôt. Ça dit dans la parole, dans Révélation, que l'ennemi sait, il y a un temps. Et c'est le mot kéros, un temps très limité. S'il y a un temps très limité, nous avons également un temps très limité. C'est pour cette raison qu'il faut de plus en plus croire à la fidélité de notre Dieu. Alléluia. Béni soit notre Seigneur. Vous allez dans 2 Timothée,
au chapitre 2, versets 12 et 13. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure quoi? Fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Ça, c'est notre Dieu. En étant né de nouveau, enfant de Dieu, régénéré par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons le droit légal, selon 1 Jean 1, 7 à 9, que si nous avons péché, il est fidèle et juste de nous les pardonner à cause de son sang. Quelle puissance dans le sang de Jésus, mes frères et sœurs. On va en parler un peu tantôt. Et le mot fidèle ici veut dire une personne stable, une personne attachée à une autre personne, dévoué envers un autre dans son engagement. Ça, c'est Dieu qui le promet. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Si nous voulons avancer, frères et sœurs, avancer, et nous le voulons, il faut croire en la fidélité de notre Dieu. C'était lui. Si on a certains problèmes, il faut se confier en l'Éternel. Même avant la fondation du monde, comme le pasteur Fofi a dit tantôt. Même avant la fondation du monde, Dieu nous voyait déjà bénis. Alléluia. Dieu nous a créés afin que nous puissions l'adorer en vérité et en esprit. Alléluia. Il a donné son Fils à la croix. Jésus a donné son sang à la croix afin que son peuple puisse être réconcilié avec notre Papa. Si on comprend ces choses-là, on a une révélation, frères et sœurs, de ces choses, nous pouvons avancer librement dans la paix et dans la joie. Selon Romains chapitre 11 au verset 29, ici Dieu veut montrer, nous faire comprendre et donner la révélation que nous sommes tous appelés. Je peux t'entendre? Amen. Quel que soit le ministère, nous sommes tous appelés. Dieu nous fait confiance. Ça dit ici, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dans la grecque et dans la Bible juive, car Dieu ne se repent pas de son invitation et de ses qualifications qui sont irrévocables. Amen. Dieu vous a appelé. Dieu nous a invités, je peux t'entendre? Amen. Amen. Et nous sommes qualifiés et c'est irrévocable. Irrévocable. En partant, Dieu nous fait confiance, frères et sœurs. Tout ce qu'il veut, c'est un cœur repentant, un cœur humble, un esprit de louange, d'adoration. Mais ne jamais arrêter à l'adoration, mes frères et sœurs. Il faut aller jusqu'à la kébod, la gloire tangible de Dieu. Alléluia. Dieu, c'est triste de le dire, il frappe souvent dans son Église et les gens n'attendent pas. Mais lorsqu'il frappe et que l'Église ouvre, oh gloire à Dieu, qu'est-ce qui peut arriver? Amen. Et c'est le cas ici, frères et sœurs, de beaucoup d'Églises dans le monde entier, ceux qui sont ouverts envers Dieu. Ceux sont ouverts en sa parole, en sa présence. Car Dieu ne se repent pas de son invitation et de ses qualifications, et c'est irrévocable. Gloire à Dieu. Le point numéro un, Dieu est fidèle. Le point numéro deux, Dieu nous a appelés. Le point numéro trois, c'est Jean chapitre 15, verset 16. Gloire à Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit,
et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Alléluia. Il nous a choisis, il nous a donné son Fils, il nous a bénis, il nous a tout donné afin de vaincre l'ennemi. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, il faut que son Église, je parle d'Église mondialement parlant, avance. Je crois sincèrement, et je le dis souvent dans les églises où j'enseigne, alléluia, nous sommes dans le meilleur temps de toute la création. C'est rien à comparer ce que dans le livre des Actes s'est passé, mes frères et sœurs. Dieu, ce qu'il cherche, c'est notre disponibilité. Alléluia. Il veut qu'on soit disponible. Béni soit notre Seigneur. Il veut qu'on soit disponible. J'ai encore manqué ce mot-là, mais gloire à Dieu, vous avez compris. Amen. Il veut qu'on soit disponible. Est-ce que vous êtes disponible ce matin? Alléluia. C'est ça qu'il veut. Voyons dans Exode chapitre 12. Gloire à Dieu. Au verset 3. Ici, il parle de la Pâque. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison, gloire à Dieu. S'il y a un agneau, spirituellement parlant, on sait que l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Amen. S'il y a une personne de sauvée dans la famille, toi et ta famille serez sauvés. Je peux t'entendre? Amen. Si on est prêt, avancez. Si on croit à son amour, si on croit à sa présence tangible, si on croit dans le précieux sang de Jésus. Alléluia. Au verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Amen. Verset 7, on prendra de son sang et on mettra sur les poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Je peux t'entendre? Amen. Dans l'Ancien Testament, frères et sœurs, il y a eu des millions, même des milliards d'après les études, d'animaux sacrifiés avec le sang, qui représentait le sang de Christ. Ici, par contre, il fallait que Moïse marche par la foi. Alléluia. Jamais ça n'avait été tenté de cette manière ici, qui représente réellement la croix de Christ. Peux-tu entendre? Amen. Amen. Moïse, on va le voir tantôt, très rapidement, comment est-ce que Dieu l'a préparé pour son ministère. C'est pour cette raison-là qu'on était tantôt dans Romains chapitre 11, au verset 29. Dieu nous a qualifiés, nous a invités. Amen. Et Moïse, il marchait d'étape à étape. Il ne faut pas sauter des étapes dans le ministère, c'est dangereux. Très dangereux. Étape par étape. Et au verset 7, ce qu'il a dit ici, ça n'était jamais fait avant. Il fallait qu'il marche par la foi. Et au verset 12, cette nuit-là, n'oubliez pas, ça faisait des années, des centaines d'années que le peuple était esclave. Je veux t'entendre? Amen. Amen. Mais la parole le dit, attendez qu'elle arrivera sûrement la prophétie. Alléluia. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir, frères et sœurs. Et je dis ceci, beaucoup de gens ne croient pas lorsque je dis cela, mais je vais le dire pareil. Que lorsque c'est souvent dur, parce qu'il y a une grande bénédiction qui s'en vient, frères et sœurs. Dieu veut voir à quelle étape que nous sommes, alléluia. Il veut savoir où est-ce qu'on est rendu, ce que ça dit dans Deutéronome également. Dieu a permis certaines choses afin qu'il voulait savoir où est-ce qu'on était rendu. Il sait, mais il faut qu'on soit convaincu où est-ce que nous sommes rendus, frères et sœurs. Oh, ça c'est un autre enseignement. Amen. Au verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Au verset 13,
Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Le sang nous protège. Le sang de Jésus, c'est notre protection. Nous sommes sauvés à cause du sang de Jésus. Nous sommes lavés à cause du sang de Jésus. Nous sommes purifiés à cause du sang de Jésus. Nous sommes sanctifiés à cause du sang de Jésus. Nous avons la vie éternelle à cause du sang de Jésus. Nous sommes guéris par ses maîtres soeurs. Alléluia. Nous pouvons avancer à cause du sang de Jésus. Nous pouvons dire nous sommes vivants à cause du sang de Jésus, frères et sœurs. Il a tout donné. Alléluia. Et c'est un enseignement que je donne. Il faut que notre dignité disparaisse, frère. Il faut que notre dignité disparaisse. Lorsqu'on a le goût de lever les mains, crier à l'Éternel, ne regardez pas l'autre qui est muet. Faites ce que Dieu dit de faire. C'est ce que David a fait. C'est ce que Obed-Edom a fait. C'est ce que Esther a fait. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que vous faites. Et c'est ce que nous faisons. Alléluia. Alléluia. La protection du sang de Jésus. Il nous a appelés. Il est fidèle. Ce qui s'est passé depuis des milliers d'années, c'est aujourd'hui la même personne. C'est le même sang. C'est le sang, l'ADN de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Le sang sous notre famille. Le sang sous les finances. Une protection. Job l'a connu, cette protection-là. Et Exode chapitre 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Alléluia. Je passerai par-dessus vous. L'ennemi ne peut rien faire. Alléluia. Celui qui est en moi est plus fort que notre mort. Celui qui est en moi a vaincu l'ennemi à la croix. Lorsque j'étais pécheur, lorsque nous étions pécheurs, Jésus est mort pour moi à la croix. Alléluia. Et je le crois, et moi, je veux avancer. Je veux avancer tel que le monde n'a jamais connu autant de miracles, autant de guérisons, autant de gens sauvés, frères et sœurs. Les gens vont se mettre à louer le Seigneur. Les gens vont rentrer dans les églises, dans la repentance, dans le nom de Jésus. Le boiteux va venir comme ça. Il va sortir avec un sourire guéri. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Alléluia. Et merci, Seigneur. Tu nous fais confiance. L'ennemi nous regarde. Tout ce qu'il voit. Il y a une couleur que je déteste, je ne le dirai pas. Une couleur que l'ennemi déteste, c'est le rouge. Il déteste le sang de Jésus. Mais gloire à Dieu, c'est notre victoire, frère et sœur. Ce que Satan voit, ce n'est pas de passer à côté ou vous, c'est le sang de Jésus. Et lorsque nous honorons ce sang, lorsque nous respectons ce sang, l'ennemi ne peut rien faire, frères et sœurs. Il ne peut rien faire, alléluia. Il ne peut rien faire. Allons dans Ésaïe chapitre 38. Vous allez savoir juste à la fin, le punch, si on peut dire, de cet enseignement, gloire à Dieu. Ésaïe, chapitre 38. Spirituellement parlant, ce sont des choses que Dieu veut qu'on fasse. Croire en sa fidélité. Amen. Marcher dans la foi. Croire. Aller chercher la présence tangible de Dieu. Alléluia. Autant qu'un poisson va chercher de l'eau. Je peux t'entendre? Amen. Alléluia. Et croire dans le sang de Jésus. Il y a certaines étapes qu'il faut faire. C'est facile. Dieu a tout fait, frères et sœurs. Ésaïe, chapitre 38. Alléluia. Alléluia. Au verset 1. À ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison. » Dans l'hébreu, ça dit, « Fais ton testament. » C'est encourageant encore qu'un prophète te parle, amen. « Quand tu vas mourir et tu ne vivras plus. »
tête qui a dit, est-ce que t'es sûr, ça vient de Dieu? Alléluia. Ézéchias, oh, alléluia, tourna son visage contre le mur et fit cette prière, frères et sœurs. Peu importe la nouvelle que vous avez, peu importe ce qui arrive, il faut aller au mur. Tu regardes à Dieu. Tu regardes pas circonstances. Tu regardes la fidélité de Dieu. Alléluia! C'est de cette manière que Dieu veut qu'on avance. Il s'est détourné. Même si on manque, il a regardé au mur. Rien ne l'a dérangé. Aucune personne comme certains amis de Job l'a dérangé. Alléluia! Même pas sa femme, peu importe. Il regarde au mur. Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Alléluia! Oh! Il a payé, ça dit dans l'Épître de Pierre. Il a payé cher de son sang. Alléluia. Et voici cette prière de repentance. Frères et sœurs, lorsqu'on prie sincèrement, Dieu va tout arrêter pour nous entendre. Que Dieu veut une communion constante de plus en plus avec son peuple. C'est de cette manière qu'il va se révéler à vous. Et un monde sans espérance, frères et sœurs, dans le monde entier, il faut qu'il voit une différence. Alléluia. Oh, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va! Dit à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai quoi? Entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je peux t'entendre? Amen. Amen. Il a cru à la fidélité de Dieu. Il a cru, il a vu. Il n'a pas vu, mais il a lu certainement dans l'Ancien Testament ce que l'Éternel avait fait, la sortie d'Égypte. Je peux t'entendre? Amen. Et tout ce qu'il a fait avec David, Josué et tous les autres. Il savait que Dieu ne fait exception de personne. Imaginez-vous, et imaginez-vous qu'aujourd'hui, que le Saint-Esprit vit en dedans de nous, avec le sang de Jésus. Alléluia. À cause de cela, même s'il avait dit au prophète, fais ton testament, à cause qu'il s'est mis à genoux au mur, Dieu a changé la situation. Pour quelle raison? Dieu a besoin des canaux sanctifiés de repentance, d'humilité, afin d'aller en son nom, avec la parole, le sang de Jésus, avec la puissance de cet esprit, alléluia, avec cette hardiesse, alléluia, de proclamer la parole, peu importe les situations, frères et sœurs, car Dieu est avec nous, nous avons un Dieu de miracles. Si Dieu vous envoie une place, propager la parole, imposer les mains, peu importe la situation qui arrive, Dieu vous a envoyé là parce qu'il sait que vous êtes capable de le faire à cause qu'il vous connaît. Car ce n'est pas toi, c'est Dieu qui va faire la bataille. Et tout est accompli à la croix dans le sang de Jésus. Et si vous avez certains problèmes, frères et sœurs, comme moi je me faisais lorsque j'enseignais dans les prisons, juste à peine à dire dans le sang de Jésus. Et vous allez voir une différence. Alléluia. Alléluia. Job a reconnu sa puissance. Job a reconnu cette chose-là. Allons à Job au chapitre 1. Gloire à Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Alléluia. Béni soit notre Seigneur. Job a compris, frères et sœurs, que Job, c'était le petit-fils de Jacob. Alléluia. Il a compris. Je peux t'entendre? Amen. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu par tous ces exemples qu'on nous donne dans l'Ancien Testament. Job a compris. Dans le contexte d'un homme intègre, Satan n'est pas content d'un homme intègre. Il dit, laisse-le-moi et tu vas voir ce que je vais faire avec lui. Dieu dit, je te le laisse, mais ne le fais pas mourir. Je peux t'entendre? Amen. Et on connaît toute l'histoire, je ne veux pas aller ces choses-là. Mais ici, ce qui est important. Job, chapitre 1, au verset 10. Satan dit,
Oui, mais ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Je peux t'entendre? Amen. Amen. Ne l'as-tu pas protégé? Si on va dans l'hébreu, n'as-tu pas mis une muraille infranchissable? Oh, j'aime celle-là. Ça, frères et sœurs, c'est la ligne de sang. Lui, il a fait beaucoup de sacrifices. Alléluia. Beaucoup de sacrifices. Il a égorgé beaucoup d'animaux pour adorer le Seigneur. Alléluia. Il savait c'était à quoi le sang se représentait. Amen. Ici, une muraille infranchissable tout autour. Et ça dit ici, tu as béni l'œuvre de ses mains, ça dit dans l'hébreu, et de toutes ses possessions. L'ennemi, à cause du sang de Jésus, n'a aucun droit sur vos enfants. Aucun droit sur maladie. Aucun droit sur rien. Aucun droit sur vos finances. Même si vos finances sont basses, confessez qu'elles sont grandes. Tellement grande que vous allez en donner encore plus, encore plus et encore plus, à cause que l'or et l'argent appartiennent à Dieu Tout-Puissant et tout ce qui est à lui est à nous, frères et sœurs. Dieu veut qu'on soit disponible. Amen. Dieu veut qu'on soit disponible, qu'on marche par la foi, qu'on confesse ce que le sang fait à chaque jour dans notre vie, frères et sœurs. Qu'on recherche sa présence constamment, gloire à Dieu. Alléluia. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui était à lui? Et gloire à Dieu, on sait toute l'histoire, mais lorsqu'il a eu la révélation, lorsqu'il a arrêté d'écouter sa femme, lorsqu'il a arrêté d'écouter ses supposément amis, lorsqu'il s'est mis au mur. Frères et sœurs, on a tous des murs à la maison. Vous n'avez pas de mur chez vous, vous avez un problème. Amen. On me comprend ce que je veux dire. Amen. Regardez à Dieu. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. C'est triste, et j'enseigne ceci souvent. Lorsqu'on a un certain problème, des fois, ça fait un an qu'on ne va pas à l'église, mais c'est bizarre, pasteur. Quand ça va mal, oh, Seigneur, tu es là. Amen. Et ça dit dans la parole que Dieu, lorsqu'il voit un cœur brisé, il va tout faire pour t'écouter. Si tu as resté infidèle pendant un an, lui, il ne peut pas se renier. Si tu te repens, Dieu a tout oublié. Amen. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse, la fidélité de Dieu. Le sang de Jésus, comme je disais, le pouvoir de pardonner, on nous a été lavés, purifiés, sanctifiés. Frères et sœurs, à cause du sang de Jésus, nous avons accès au trône de la grâce. À cause du sang de Jésus. Alléluia. J'ai la même position. J'ai la même position que Jésus lui-même qui est assis à la droite de notre Papa. Ça, c'est quelque chose. Et lorsque nous confessons sa parole, nous confessons, proclamons le sang de Jésus, toutes les promesses de Dieu, la Bible dit, c'est oui et amen. Dieu veut réunir sa famille mondialement, qu'on puisse avoir ce que la parole de Dieu dit, les pensées de Christ à chaque jour. À chaque jour, Seigneur, je veux sentir de plus en plus ta présence. De plus en plus, donne-moi la révélation de ton sang. Alléluia. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse, frères et sœurs. Ce que Dieu accomplit avec Moïse, Job, Ézéchias, Obed-Edom et tous les autres. Je parlais tantôt, et c'est cet enseignement que je suis rendu à Saint-Hyacinthe. Amen. Allô? Si on ne perd pas notre dignité, on ne pourra connaître pleinement la présence tangible de Dieu. Peu importe la situation, frères et sœurs, il ne faut pas avoir honte du nom de Jésus. Il ne faut pas avoir honte de lever les mains, etc. Amen.
il faut qu'elle croisse et que je diminue. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Selon Ésaïe chapitre 43, gloire à Dieu. Au verset 15 à 19, Ésaïe 43. Au verset 15. Alléluia. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. On comprend? Et voici ce que Dieu dit ici. Et ça, c'est le premier point. Dieu dit ici, je suis l'Éternel. Ça fait penser un peu lorsque Moïse a dit, c'est beau m'envoyer là. N'oubliez pas que Moïse débutait dans son ministère. Et si vous lisez tout Exode complet, vous allez voir que d'étape à étape. Mais Dieu lui faisait confiance à chaque fois. Et il dit, gloire à Dieu, gloire à toi. Cinq minutes après, il est retombé en bas. Mais il est remonté. Jusqu'au point qu'il était prêt à la sortie d'Égypte. Lisez, Exode chapitre 3. Je n'ai pas le temps d'enseigner ces choses-là, mais gloire à Dieu. D'étape à étape. Il dit, c'est beau, mais si je vais là, quel nom que je vais donner? Il dit, c'est simple. Tu lui diras que le « je suis » m'envoie. Et voici, probablement, je ne sais pas, qu'est-ce que Moïse a pu penser. Je vais vous dire pour quelle raison. Lorsque Dieu, l'Éternel, a dit, tu diras, Moïse, que le « je suis » m'envoie, va dire ça à Pharaon. Il fallait absolument que Moïse marche par la foi. Il fallait qu'il connaisse la présence de Dieu. Je vous en passe un papier, frères et sœurs. Savez-vous pour quelle raison? Il est allé voir Pharaon. Qu'est-ce que tu veux encore, Moïse? Et Moïse lui dit ce que Dieu lui avait dit. Et Pharaon lui dit, qui est celui qui t'envoie? Il dit, c'est le « je suis » qui m'envoie. Là, je suis sûr, comme Pasteur Foufi dit souvent, il a pété les plombs. Pour quelle raison? Imaginez dire ça à Pharaon, c'est le « je suis » qui m'envoie. Parce que Pharaon, on ne l'appelle pas par son nom, on l'appelait le « je suis ». Ah, vous ne saviez pas ça. C'est pour ça que M. Moïse apprenait réellement du culot, de l'audace, du courage, de la foi. Alléluia! Oh, allez, il fallait qu'il sente une puissance que rien. Il fallait quoi? Il veut avancer. Dieu m'a choisi. Il y a 3 millions de personnes qui vont sortir, puis je vais sortir quand Dieu dit c'est moi qui vais combattre pour toi. Pharaon, le je suis que j'ai appris quand j'étais petit avec toi. Toi, tu dis tu es le je suis, mais j'ai appris que le je suis. C'est le vrai, parce que dans l'hébreu, ça dit ceci, frères et sœurs. Toi, tu es le je suis, mais le véritable je suis est avec moi. Et le véritable je suis est en vous. Le véritable je suis qui a conquis l'ennemi est en vous, frères et sœurs. Alléluia. Et voici, verset 15 encore. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël. Alléluia. Votre roi, je ne change pas. Je suis le même. Alléluia. Je suis le roi. Je suis le chef, le Créateur de toutes choses. Point numéro un, il dit, je m'en occupe. Amen. Quelle que soit la situation, Dieu dit, je m'en occupe.
le Créateur de toutes choses, frères et sœurs. Alléluia. Dis, peu importe ce que tu me demandes, je m'en occupe. Il n'y a aucun autre Dieu que moi. Tu te confies en moi. Alors je m'en occupe. Car je suis fidèle. Au verset 16. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. Dieu dit ici, oui, tabachanta, ça va, oh, alléluia. Je l'ai déjà fait. Je m'en occupe et je l'ai déjà fait. Je suis la même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alléluia. Tu me fais confiance. Tu me fais confiance. Tu as une foi en moi, en ma parole. Je m'en occupe. Je l'ai déjà fait. Et j'ai fait de grandes choses. Et je ne change pas. Quoi? Je veux avancer. Alléluia. Oh! Quel message que Dieu a. Au verset 14. Voici. Je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Parce qu'il s'en occupe. Je l'ai déjà fait. Puis ce que tu me demandes, ça va arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Il l'a déjà fait. Et Dieu dit ce point-ci. Je le ferai encore. Je m'en occupe. Je l'ai déjà fait. Et je le ferai encore. Car je suis le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité, Seigneur. Car la Bible dit dans les psaumes que ses compassions et ses bontés se renouvellent à chaque jour. Alléluia. Et Dieu dit au verset 19, je te donne un indice. Et voici l'autre point. Êtes-vous prête? C'est simple. C'est simple. Tout ceci marche par la foi. Marche par la foi et je m'occupe du reste. Marchons par la foi et Dieu va tout accomplir. Et pour terminer, gloire à Dieu. Marc, chapitre 9. Alléluia. Au verset 22 à 24. Marc, chapitre 9, au verset 22 à 24. Ici, c'est un père à contexte, amène son enfant qui était possédé des démons. Vous entendez? Amen. C'est plus rien pour nous autres, frères et sœurs. Juste dans le nom de Jésus, avec foi, et plaider le sang de Jésus. Ils n'ont aucun choix que de disparaître. Alléluia. Au verset 22. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour la faire périr. Et l'homme dit, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Jésus lui dit, soulignez ceci là, Jésus lui dit, si tu peux, soulignez si tu peux. Dans le grec original, ça dit ceci. Jésus lui dit, si tu peux, il dit, écoutez-moi bien, vous allez être surpris. Si tu peux, Jésus a dit, pourquoi moi, tout est possible à celui qui croit. Amen. Dieu veut qu'on mette en action. C'est ça que Dieu a dit. Pourquoi moi,
tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Croyons à sa fidélité, frères et sœurs. Il reste 2-3 minutes, pasteur. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que le sang précieux soit sur vous tous ce soir, ce matin. Si on peut se lever dans sa présence. Alléluia. Le sang dans vos familles, Père. Nous croyons ton sang, ta présence sur chaque famille, car nous voulons avancer vers toi, Dieu Tout-Puissant, car le temps est proche, Seigneur. Je prie que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Non, le feu ne s'éteindra point, frères et sœurs. Il ne va pas s'éteindre, c'est le contraire. Il va aller de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Amen. S'il y a des personnes ici ce matin, avec le message de la fidélité de Dieu qui s'est donné ici par l'inspiration du Saint-Esprit. Si vous n'avez jamais, jamais donné votre cœur au Dieu Tout-Puissant, celui qui vous aime, celui qui veut vous attirer vers lui, celui qui a donné son Fils à la croix, celui qui a versé son sang précieux afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Frères et sœurs, c'est Jésus, la solution. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une association. Si vous êtes ici et vous n'avez jamais, jamais donné votre vie, vous n'êtes pas ici par hasard. Alors, je demande à ceux ou celles qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, levez votre main et nous allons prier avec vous.